Celui-là, on l'a élevé au biberon, c'est pour ça qu'il suit. Voilà le socialiste Alain Rousset sur ses terres, une bergerie à côté de chez lui à Pessac, en Gironde, le refuge du président de la région Nouvelle-Aquitaine. C'est retour à la terre pour moi. N'oublions pas que je suis à moitié issu du monde agricole et du monde de l'usine. Fils d'ouvrier, originaire du Forêt en Auvergne, Alain Rousset s'installe ici dans les années 80. Un lieu depuis partagé par sa femme, ses enfants et 4 petits-enfants. Salut ma belle. C'est une des parties de mon enfance. Voilà, donc c'est là où est le plaisir. Je ne m'étais jamais occupé de chevaux. Donc, voilà. Une jument, l'atteler, promener les petits-enfants. Le bonheur. Chasseur, pêcheur, jardinier. Ça, c'est la meilleure pomme de terre nouvelle. La rate. Alain Rousset trouve également son bonheur en politique. Il est candidat à sa propre succession, malgré ses 70 ans, porté par ses objectifs. Plein de projets qu'il faut faire aboutir. Le campus ferroviaire de Saintes, en reprenant les friches de la SNCF. Le campus naval qu'on va faire entre Rochefort et La Rochelle. L'école vétérinaire de Limoges. L'action publique me passionne toujours. Je suis né dans mes responsabilités professionnelles par la création des régions. Donc, je m'y identifie peut-être un peu trop. L'Aquitaine chevillée au corps depuis 1980, quand il devient directeur de cabinet d'André Labarrère, alors président de la toute jeune région. L'occasion de sa première télé lors du festival de Sarlat. Un enjeu culturel fantastique et un enjeu économique qui l'est tout autant. L'économie, l'un des thèmes de prédilection de ce diplômé de Sciences Po Paris. Au changement de majorité, il travaillera d'ailleurs chez Elf Aquitaine sur la reconversion industrielle du bassin de Lac. Jusqu'en 88, qui le voit devenir conseiller général, puis maire de Pessac l'année suivante. En 98, il est élu président de la région. 3 mandats consécutifs en Aquitaine, puis un 4e en 2015 à la tête de la Nouvelle-Aquitaine. Un immense territoire de 84 000 km² pour lequel il défend sa vision. La spécificité de la région Nouvelle-Aquitaine, c'est l'accompagnement des entreprises et de l'emploi. Donc c'est le budget sur lequel on peut taper pour faire des ronds-points ou des salles des fêtes. Voilà. Le problème, il est là. Est-ce qu'on a des priorités ou est-ce qu'on saupoudre et clientélise? Ça, c'est le premier défi. Le deuxième défi, c'est réussir la transition écologique, environnementale, de la biodiversité. On ne le fera pas par la brutalité. Après 23 ans à la tête de la région, le socialiste Alain Rousset brigue là son 5e mandat. S'il y parvient, ce sera un record.